Yo, family, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de la miniature simplement. Et ben, cette vidéo est destinée, j'ai envie de dire, hein, aux petits youtubeurs qui s'élancent nouvellement ou qui se sont lancés nouvellement sur YouTube et qui ne savent pas comment détourer une image, comment rendre une image normale en PNG, comment faire telle ou telle autre histoire, on va dire, hein, pour rendre la miniature beaucoup plus attirante. Et du coup, la vidéo, déjà, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui cliqueront sur la vidéo si et seulement si la miniature est beaucoup plus attirante, si et seulement si, hein, tout ce qui, on va dire, hein, s'affiche vend la vidéo, attire carrément. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas me mettre à nu, hein, vous rendre un tout petit peu l'ascenseur et vous faire voir comment ça se passe en fait, hein. Donc voilà, family. Tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur la chaîne, family, abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai 60% de personnes qui me suivent, qui sont abonnées, et 40 autres ne sont pas toujours abonnés. Ce n'est pas normal. Les statistiques ne mentent pas. Donc, abonnez-vous. Tous ceux-là qui n'ont pas encore eu à le faire, family. Donc, voilà, sans plus tarder, on passe à l'intro et ensuite on enchaîne avec le coulisse carrément et je vous montre comment ça se passe. Let's fucking go! Hey yo yo yo, salutations family, on se retrouve sur mon téléphone. L'application que j'utilise est Piscar pour réaliser de contours ainsi que de miniatures et rendre des images en PNG. Donc voilà, Piscar, a téléchargé cette application, que ce soit sur Android ou soit sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone, ça marche aussi. C'est à vous simplement de la télécharger. Donc voilà, nous allons attendre, hein, une fois c'est bon. À ce moment-là, nous allons essayer de voir comment c'est. Waouh, ça traîne un tout petit peu, c'est normal. Voilà, là, nous atterrissons maintenant sur l'application. La première des choses à faire est d'aller sur plus, hein, le plus que vous voyez là, qui est juste là. Voilà. Nous allons pivoter jusqu'en bas, là où il y a de fond. Il y a plus, hein, de fond possible. Ça dépend de votre miniature, hein, de la couleur que vous voulez donner à votre miniature. Mais pour un premier temps, il faudra venir sur, j'ai envie de dire, hein, sur le fond blanc. Enfin, ça dépendra, même le fond bleu, ça dépend que de vous. Le fond blanc, nous choisissons. Ça, c'est une pub. Nous allons arrêter. Je vous demanderai de venir sur Outil. Voyez-vous, Outil qui est juste là. Vous cliquez, recadrer. Vous recadrez, appuyez là. Il y a des mesures, on va dire. Comme ce fut le cas pour InShot. Sur Piscar, il y a également possibilité de régler. Voilà, voyez-vous, il y a le logo carrément Instagram et nous n'avons pas besoin d'Instagram. Et le logo Facebook et tout, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de YouTube, d'une miniature YouTube. Donc, nous cliquons sur, voilà, la miniature YouTube. Elle prend déjà, on va dire, la bonne mesure. Vous pouvez voir, hein, c'est 2896 sur 1629. Donc, c'est bon. On clique là-dessus, c'est OK. La première des choses maintenant est d'aller rechercher photo carrément. Ajouter une photo, vous cliquez là-dessus, ça vous ramène carrément. Ça, c'est la miniature que j'ai réalisée. Nous prenons ça comme exemple déjà. Vous allez agrandir tout simplement. Vous agrandissez, voilà, votre photo. Et puis, ça, c'est qui sera parfait. Vous ferez ce que moi j'appelle, hein, voilà quoi, donner de la luminosité ou non. Donc voilà, l'opacité, c'est de réduire ou non, ça ne dépendra que de vous. Ici, là, c'est pour recadrer, en fait. Hein, pour recadrer, ça ne dépendra que de vous, en fait. Hein, là, c'est recadré, là, c'est parfait. Vous verrez, vous pouvez nécessairement agrandir et puis c'est OK. Donc, voyez-vous, il y a tellement, alors, tellement d'options. Voilà, nous allons prendre la seconde option. Ça, ce sont les effets un peu floutés. Vous pouvez nécessairement flouter. Vous pouvez, il y a tellement, alors, tellement d'options. Ça ne dépendra que de vous, hein, au moment opportun. Hein, pour essayer un peu de varier, hein, de voir un peu ce qui vous va le mieux.
Et puis ce sera parfait. Si c'est OK, vous avez trouvé, hein, j'ai envie de dire, votre bonheur dans tout ça là, et que tout est parfait, vous pouvez, voilà, nous allons rendre ça ici. Vous pouvez sélectionner et puis conserver. Vous conservez, ici là, embellir, hein. Embellir, c'est simplement, ça donne un côté, j'ai envie de dire, hein, de floutage, la luminosité, tout ça là, ça dépend. Donc voilà quoi. Mais les options qui sont un tout petit peu couronnées comme ça là, ils ont des options qui sont pour gold. Gold, c'est payant carrément. C'est la partie payante, on va dire, de l'application. Et ça là, ce n'est pas un problème. Donc tout, alors tout, hein, c'est dont vous avez réellement besoin, c'est de checker, on va dire, hein, de voir un peu comment ça marche et tout. Ce sera parfait. Une fois, tout sera OK. Ça ne dépendra que de vous en fait. Donc voilà, je vous demande une chose, quand vous téléchargerez l'application, essayez de tout faire. C'est important. Ici, là, ce sont les autocollants. Genre, vous voudriez ajouter de cœur sur votre déjà miniature, ou soit des étoiles, ou soit un drapeau russe, hein, un drapeau de n'importe quel pays. Et comme exemple, voilà quoi. Le prénom, déjà c'est cette image PNG, et vous, nous pouvons la poster même là, voyez-vous, et puis sélectionner ici, là, c'est parfait. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc voilà, vous pouvez nécessairement détourer l'image, ça ne dépendra que de vous. Choisir la couleur et la détourer comme bon vous semble, carrément. Donc voilà, sélectionner, et puis c'est bon. Ici, là, découper. Bon, ici, là, c'est une version également payante, hein. Soit on peut cliquer sur ça et puis rendre, voilà, l'image comme un PNG. Voilà quoi. Appuyez sur l'icône pour couper le portrait automatiquement. Donc voilà, vous le ferez une fois, tout sera parfait. Donc c'est à vous simplement de tout voir, hein, si ce sera possible ou non. Donc voilà quoi. Et eh ben là on poursuit, ici ça c'est les tests. Vous pouvez nécessairement écrire vlog. Voilà quoi. À partir d'ici, vous choisissez hein, le style qui vous convient le mieux. Une fois c'est parfait, hein, vous le conservez. Moi je pense que pour, voilà, pour une illustration, ça va. Vlog, ici là c'est la couleur, n'importe quelle couleur, vous donnez, on va dire, hein, à votre miniature. Ici là c'est pour le détour carrément, le détour du texte. Donc voilà, ici la couleur du détour. Donc ça là c'est l'opacité. Rendre brillant ou non, ça dépendra que de vous. Ici là c'est l'ombre. Donc checkez l'application comme bon vous semble. N'hésitez surtout pas à prendre exemple sur d'autres qui réalisent hein, de miniatures beaucoup plus attirants et tout, hein. Ça dépend de ce que vous aurez à dire sur votre vidéo et ce sera parfait. Donc voilà, ajouter ici là, c'est simplement pendant, voilà quoi. Ça ne dépendra que de vous, soit un fond, voilà quoi. Et puis ce sera parfait. À vous de checker l'application comme bon vous semble. Donc voilà, family. Et eh ben, j'ai presque tout alors tout balancé. Et ici là, pour voilà quoi, ajouter le reflet et puis c'est parfait. Encore voilà. Et eh ben, déjà, ma famille, si vous avez fini, tout est OK sur votre monture. Vous pouvez aller sur la flèche hein, au-dessus. À droite, vous cliquez dessus, il y a une publicité, vous arrêtez la publicité, voilà, il y a enregistré, vous pouvez nécessairement enregistrer. Cela se retrouvera dans votre galerie, donc voilà, terminé. Sinon, pour détourer maintenant, pour détourer, nous pouvons prendre comme image, on va dire celle-ci, et ben pour détourer une fois, on va dire, nous pouvons venir là. Détourer, vous n'avez qu'à faire ça, voyez-vous, vous n'avez qu'à faire ceci, voilà. Et puis une fois tout est parfait, une fois tout est parfait, vous appuyez sur suivant, la flèche qui est juste au-dessus,
vous avez votre PNG. Enfin, moi, je l'ai fait un peu à la va-vite, hein. C'est à vous de voir, de prendre le temps. Et puis, tout sera parfait pour vous. Tout sera parfait. Sinon, vous pouvez nécessairement revenir en arrière et puis aller sur dessiner. Dessiner qui est juste là, cliquez sur dessiner en bas à droite. Voyez-vous, il y a la photo déjà. Voilà. Il y a la gomme qui est là. Puis nécessairement cliquer, prendre la taille hein, de votre gomme, choisir la taille carrément et puis ce sera parfait. Et par la suite, commencez à supprimer. Voilà, avec votre doigt déjà, commencez à tout supprimer. Vous pouvez zoomer hein, à la taille que vous voulez et commencez à détourer l'image, à détourer tout ça là. Une fois ce sera parfait, voilà, comme tel. Hein. Je prends un exemple à la va-vite hein, pour vous montrer comment ça se passe. Hein. Une fois ce sera fait, tout est OK, tout est parfait, vous enregistrez carrément. Voilà, vous enregistrez à partir d'ici là. Tout est enregistré, c'est dans la galerie. Et puis, vous faites retour en arrière. Donc, nos prénoms n'est pas sauvegardé. Voilà. Et ben, vous pouvez, comme exemple, rajouter un texte. Je mets priviette, hein, c'est juste pour un exemple, donc banal. Voilà quoi. Et puis, vous venez ajouter photo. Vous prenez votre détouring. Vous ramenez ça ici, comme je l'ai fait pour d'autres vidéos. Voyez-vous commencer? Donc, c'est une PNG, une photo PNG. Donc, voilà. En bas, il y a encore de l'espace, mais au-dessus, là, tout a été supprimé. Donc, voyez-vous, c'est à vous de faire un peu de tout, et puis ce sera parfait carrément. Faites de miniatures qui vous correspondent pour que vous ayez beaucoup plus hein, de personnes hein, intéressées et qui pourront nécessairement cliquer. Et au fait, ne faites pas de miniatures putaclic, c'est-à-dire vous prenez une flèche rouge. Flèche rouge. Voilà, oh, qu'est-ce que j'écris? Une flèche, voilà. Une flèche rouge comme ça, là. Un synonyme de, voilà, quoi, du putaclic. Et vous ajoutez l'emoji, hein. Un emoji. Vous ajoutez genre un emoji comme ça là. Et puis tout est OK, vous enregistrez. Et ça là, ça pourrait faire l'affaire carrément. Voyez-vous, ça ne dépend que de vous. Là, j'enregistre, ça ne dépend que de vous, famille. Donc voilà. Hey yo family, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser plein de pouces bleus, vos commentaires s'il vous plaît, et je vous souhaite une bonne chance, une très très bonne chance, on va dire, dans ce que vous faites, et puis une explosion carrément par rapport à la visibilité, faire connaître votre chaîne et à tout ce que vous aurez à faire carrément. Ne lâchez rien, rien, rien. Tout est bon, tout est carré. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vimao, portez-vous bien. Ciao.